مساء الخير، مساء الخير مشاهدي الوطنية الأولى، مرحبا بكم. إذا نسيم البحر وراءنا، تحية معطرة بنسيم هذا البحر، البحر الذي يحمل الكثير من الأسرار والألغاز، ولكن هذا البحر صامت لا يتكلم، هو اختار هذا. في الجهة المقابلة هو بحر يلهم الكثير من صناع السينما، من المنتجين والمؤلفين والسينمائيين، اللي يعطيونا فكرة من خلال نظرتهم، يعطيونا فكرة على رواحنا ويقربونا أكثر من أنفسنا. سعيدة جدا في هذه النشرة، النشرة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية، باستقبال زوز كبار، زوز مخرجين كبار يصنعون ربيع السينما الأوروبية وخاصة السينما الاجتماعية. لي فرير داردان، جان بيير اي لوك داردان، بونسوار. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir ici sur ce plateau de la télévision tunisienne. Ravie de vous avoir ici. Et puis voilà, vous allez être notre invité. Vous êtes primé, vous venez d'avoir un prix au Festival de Cannes à la 72e. Vous avez eu le prix de la mise en scène pour le film Le jeune Ahmed. Et puis on ne peut pas oublier aussi que vous avez eu deux Palmes d'Or. Et vous faites partie d'un petit club du Festival de Cannes, qui a ceux qui ont eu deux prix, à savoir Emir Costa Rica et Coppola. Donc vous avez eu deux palmes d'or, Rosetta en 99 et puis L'Enfant en 2006. Donc bienvenue sur ce plateau de la télévision nationale, on est ravis de vous avoir parmi nous. Donc voilà, qu'est-ce que d'abord vous pensez de ce cadre qui est vraiment agréable face à la mer et en Tunisie? Ça vous rappelle pas un peu Nice, Cannes et... Oui, un peu, mais il y a les Martiniers qui volent, c'est très beau, c'est un très bel endroit, oui. Et vous, Jean-Pierre, donc ? J'ai l'impression que c'est un peu plus vivant qu'à Cannes. Ah, d'accord. Oui, quand je vois toutes les personnes qui sont là derrière nous, qui vivent, qui sont dans leur vie de tous les jours et qui viennent se relaxer, prendre du bon air. Et j'ai vu les pêcheurs aussi. C'est bien. يقولوا لي فرير داردان اللي هما فرحانين يكونوا في تونس، قلت لهم انا تشبه الكان ولا مشبهش، يقولوا لي يمكن اكثر حيه اكثر من كان، على خاطر يشوفوا في العباد مازالت تعوم ومازالت ايضا تصطاد. لي فرير داردان، افون دو كومونسي دو بارلي دو فوتر كارير دو سكي فوزا ماركي سورتو بوندون فوتر كارير، اون فا كومونسي بار سو بورتري في بار نوتر كوليغ حبيبه رحالي. نشوفوا اذا الفي تي ار بورتري للاخوه داردان. Jean-Pierre ou Luc Dardenne, زوز خوات ومخرجين متلازمين. ساهم مهرجان كان السينمائي في شهرتهم الكبيرة عبر العالم. أول فيلم متوج لهم كان روزيتا عام 1999، اللي يحكي حكاية معاناة بنية تبحث يأسة عن العمل. ساهم الفيلم هذايا في انطلاق الممثلة إيميلي دوكان نحو الشهرة العالمية، اللي فازت عامتها بأحسن أداء نسائي. الفيلم الثاني المتوج ليهم هو الطفل لانفان، يحكي حكاية سونيا 18 سنة وبرونو 20 سنة، يبيعوا ولدهم للمافيا من أجل المال، وهنا تبدأ مغامرات الشخصيات الكل. بدأوا بالأفلام الوثائقية في السبعينات وتحولوا بعدها في الثمانينات للأفلام الروائية، وأنجوا أخرجوا أكثر من 12 فيلم روائي. نجحوا الأخوات داردان إنهم يخدموا أفلام بأربع جي وينخلقوا صورة سينمائية جديدة متسلسلة. الكاميرا متاعهم هي كاميرا غالبا تكون على الكتف، تبع من قريب ملامح الوجوه وتحركات الأجساد. أفلامهم فيها برشا سكيت، ويختاروا ديما ممثلين غير محترفين ومش معروفين. Ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Alors, les frères Dardenne, vous avez commencé par le documentaire, qui est un format très difficile, et vous avez après passé au film fiction, de fiction, film d'auteur, et on parle d'un cinéma social dans votre film. سألتهم هل أنه بدأوا بالأعمال الوثائقية ويقولوا أنه يبدو السينما متاعهم هي سينما أكثر اجتماعي. Donc on va commencer par Luc. Oui, effectivement, nous avons fait quelques documentaires qui étaient très différents de ce que nous avons fait après avec la fiction. Mais il y a une chose qui est peut-être commune entre les deux, c'est que quand vous faites un documentaire,
vous ne choisissez pas la position de votre caméra. En tous les cas, vous ne choisissez pas ce qui va se passer par rapport à la position de votre caméra. Et on essaye un peu dans la fiction, c'est une manière de dire, mais de trouver la mauvaise position pour la caméra, c'est-à-dire montrer que la chose que nous filmons nous échappe. Voilà, donc c'est le lien avec le travail du documentaire d'auparavant. Justement, Jean-Pierre, quand vous filmez, on est généralement habitué à filmer un seul regard, une seule vision, et la caméra, il y a derrière la caméra une seule personne. J'imagine que que pas mal de personnes, vous avez reçu des milliers de questions par rapport à cet aspect de votre cinéma. Vous filmez avec quatre yeux, quatre mains. Et vous avez plusieurs regards, il n'y a pas un seul. Comment vous faites en fait Mais je pense que nous sommes quatre yeux qui en devenons deux à un moment donné. Et puis quatre yeux, c'est bien aussi. Et on travaille tout simplement. Et à un moment donné, on a l'intuition du même film et c'est le même film qu'on veut faire. Donc pour nous, tout ça paraît normal. Mais je comprends aussi que pour l'extérieur, mais le cinéma permet ça. Je pense qu'écrire un livre... Je pense que dans l'histoire de la littérature, il y en a guère, il y a les frères Goncourt, mais c'est peut-être un peu l'exception qui confirme la règle. La peinture aussi, mais le cinéma permet ça. Il y a les frères Lumière aussi. D'abord, ça a commencé avec les frères Lumière, et puis maintenant, il y a les frères Cohen, il y a eu les frères Taviani. Et comme disait Godard, il y a l'image et le son. سألتهم كيفاش ينجموا مخرجين زوز يخدموا مع بعضهم نعرفوا احنا استنسنا بانه فما رؤيه واحده للمخرج يعني بعين واحده يمكن للمخرج المره هذه سألتهم كيفاش ينجموا يخدموا باربع عينين واربع ايدين يقول اللي يمكن من الخارج انتم تظهر لكم الحكايه مختلفه ولكن احنا ساهل بالنسبه لينا لانه احنا في الاخر احنا نظره واحده وفكره واحده يقول يمكن صعيب الامر بالنسبه للكتاب ولا بالنسبه للرسم ولكن بالنسبه للسينما السينما تسمح بهذا الاخ Revenons à Manarat, à ce festival qui est né, déjà on est à la deuxième édition. C'est un festival qui permet au public de voir et de pouvoir voir des films au bord de la mer. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept d'abord ? C'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Et je pense que Dora Bouchoucha et Lina, qui sont les organisatrices de ce festival, ont eu cette idée, je trouve très juste, de vouloir aussi porter le cinéma pour des gens qui ne vont pas beaucoup au cinéma, ou bien qui n'y vont plus, ou bien alors des très jeunes qui ne vont pas encore. Et je trouve que c'est très bien de faire ces projections en plein air, et qu'elle touche un public, et vous savez jamais, c'est ça qui est extraordinaire quand on fait des choses comme cela, c'est qu'il y a peut-être un spectateur ou une spectatrice qui a 14 ans, 15 ans, qui est là, qui voit un film pour la première fois de sa vie, un film comme ceux qu'elle montre, et ça va la toucher à jamais, ça va peut-être bouleverser sa vie. Et ça, c'est extraordinaire, et on peut juger un festival après plusieurs années. Même si on sent qu'ici, il se passe quelque chose d'important. Mais on verra dans 5 ans, 10 ans, quand on sera à la 10e édition, les gens qui étaient aux premières éditions, ce qu'ils diront de ce festival. Et je pense qu'ici, ça marque des gens. Jean-Pierre, ça ne vous gêne pas le bruit de la mer, les gens, le va-et-vient pendant les projections ? Non, mais je pense que oui, c'est un peu inhabituel. Hein ? Il faut bien avouer que dans les salles de cinéma, souvent, c'est plutôt silencieux. Quoique, il y a pas mal de salles de cinéma où les gens téléphonent pendant qu'on regarde le film. Moi, ça me surprend toujours, mais enfin, ça existe. Mais non, je trouve que c'est une ambiance un peu particulière, c'est vrai. Mais je pense que si des gens viennent comme s'asseoir devant les écrans et regardent, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il y a... Il y a un dialogue qui s'installe entre un film et des spectatrices et des spectateurs. سألتهم على هل انه كيفاش يلقاو الفكره نتاع انه عروض على شاطئ البحر يقولوا لي انه فماش حتى مشكله يعتبروا انه فكره جديده فكره متجدده عملها مهرجان منارات ويقولوا انه يمكن يكون بالنسبه ليهم بالنسبه لطفل ولا طفله عمرها 13 و14 سنه يكتشفوا السينما من خلال العالم. Revenons à votre film Le jeune Ahmed. Que j'ai eu l'occasion de voir à Cannes. Il passera en avant-première en Tunisie. Il est déjà sorti dans les salles en France et je crois en Europe. À qui s'adresse ce film ? À tout le monde, au plus grand nombre de gens possible. Et je dirais tout de suite qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Je crois que c'est... Enfin, nous, on a essayé de faire un film autour d'un adolescent qui se radicalise, un adolescent de culture musulmane qui se radicalise...
disons, séduit par un imam radical. Et on a essayé de voir comment on pouvait le sortir de ce radicalisme, comment on pouvait lui permettre de retrouver la vie. Voilà. حكينا إذن لوك على سألته على فيلم لجون أحمد اللي تعدى في كان في مهرجان كان وتحصل على جائزة الإخراج. سألته لشكون يتوجه لشكون جمهور هالفيلم هذا، يقول أنه الفيلم هذا للناس الكل مش بالضرورة للمسلمين، وإلا الناس اللي عندهم، هو يتوجه للناس اللي عندهم ديانات مختلفة. في هالوقت هذا شنو رأيكم كان نشوفوا البوندا نوس متاع فيلم لجون أحمد؟ Essaye de faire celui-là. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais. Ahmed ? Ahmed ! Pourquoi tu vas là-bas ? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux ? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur ? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed ? Le mieux, c'est que je te convise tout de suite à la police. Faut pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune. Peut-être un mois ou deux. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir ? C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed ! Ahmed ! Allez, merci. جون أحمد، الفيلم الأخير للإخوة دردين اللي تعدوا لأول مرة على التلفزة التونسية وفي المباشر في إطار نشرة مهرجان السينما المتوسطية. Je suis vraiment très ravi de vous avoir ici sur ce plateau. Donc, on va revenir au film Le Jeune Ahmed. Vous avez dit que ça s'adresse à tout le monde. Justement, vous avez ce talent de dénicher les non-professionnels, les jeunes. On voit là le jeune acteur. Est-ce que c'est facile de diriger un acteur qui a cet âge, Jean-Pierre? Il a 13-14 ans, j'imagine. Ce n'est ni plus facile ni plus difficile que les comédiens plus âgés professionnels, par exemple. Ah bon? C'est, non, parce que normalement, si nous l'avons choisi, c'est parce que nous l'avons choisi parmi toute une série de jeunes garçons que nous avons testés, et c'est lui que nous avons retenu. On a retenu parce qu'on a pensé qu'il avait du talent. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a du talent, eh bien, c'est facile de travailler. Il faut travailler, mais comme avec les autres. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une différence dans la manière de travailler entre des comédiens professionnels et un jeune garçon comédien qui interprète Ahmed. Parce que c'est un garçon qui a un talent extraordinaire. Il dit qu'ils sont معروفين l'écho d'Arden, qu'ils يخدموا كثيرا مع الممثلين اللي هما معناتها ما ياخذوش دي ستار، ياخذوا مع ممثلين عاديين وكل. سالته هل انه ساهل اول حاجه نخدموا مع ممثلين ماهمش محترفين، وفي نفس الوقت سالته هل انه صعب اداره ممثل في عمر 13-14 سنه كما جان أحمد؟ يقول لي أنه ماهوش صعيب بالضبط، كيف نفس القدر من الأهمية ومن الصعوبية اللي موجودة عند الممثلين الأخرين. المهم أنه يشوف الإدارة بطريقة معناتها ويركزوا عليها، المهم هو الأداء وذي هو اللي يخدم عليه. Justement, donc, Luc, vous parlez-nous un peu d'abord de ce cinéma social. Vous parlez beaucoup dans Rosetta, aussi dans L'Enfant, de la misère, des problèmes des immigrés, des problèmes de la radicalisation. Est-ce que on peut dire que vous voulez parler d'un cinéma engagé, un cinéma social? Mais c'est bon, je dirais que ce qu'on essaye de faire dans nos films, en général, je dirais, parce que bon, ce que vous parlez de plusieurs films, c'est à partir d'un fait divers, de quelque chose qui est un symptôme de ce qui se passe dans une époque, on essaie de voir comment nous, on peut raconter une histoire où la question morale se pose. Voilà, où
C'est souvent des histoires où un personnage peut tuer quelqu'un d'autre et va-t-il le faire ou pas le faire. Un personnage peut devenir l'ami de quelqu'un ou le trahir, va-t-il devenir l'ami ou pas. Mais tout ça ancré dans ces dilemmes, si vous voulez, sont ancrés dans notre réalité actuelle, présente. C'est l'être humain face à lui-même, c'est ça ? Face à lui-même, face aux autres face aussi. Et face aux autres qui lui interdisent de faire certaines choses. Je me suis demandé sur le cinéma l'échimaïe, qui تميز بها افلام لي فرغ داردين كيما فيلم روزيتا والفيلم الاخر فيلم لونفان وحتى اغلب الافلام تاعو يقول لي انه المهم في هذا انه يقتربوا من الذات يقتربوا من الانسان يشوفوا كيفاش الانسان يتعايش مع المحيط نتاعو وكيفاش ايضا يتعايش مع الاخر. Maintenant c'est pas un exercice facile là de poser des questions tous les deux. Je vous dis que pour moi c'est un défi, je fais ça pour la première fois. Donc voilà, Jean-Pierre, on parlait de cinéma social. Est-ce que, parlons maintenant de ce rapport entre télévision et cinéma, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a vraiment un danger par rapport au cinéma vu ce qu'on est en train de vivre, Netflix par exemple qui ne prend que des films qui sont exclusifs pour elle. Comment vous interprétez la situation du cinéma ? Est-ce qu'elle est en danger, vraiment ? Écoutez, je vais répondre, et ce n'est pas une manière de botter en touche. Et vous allez dire que je suis peut-être optimiste, et je vais donner une réponse à partir d'un point de vue qui est le nôtre, le point de vue de cinéaste, et le point de vue d'un spectateur de cinéma. Moi, je pense que les êtres humains ont encore l'envie de sortir de chez eux et de se rendre dans un endroit où il y a un film qui est projeté et où ils vont être assis à côté d'autres personnes. Et puis ils sortiront de cette... C'est un moment de partage, voilà, aussi. Voilà, où la lumière va s'éteindre, l'écran va s'animer et nous allons tous, spectatrices, spectateurs, partager quelque chose. Chacun dans le silence ou bien en réagissant, en riant, en pleurant. Et puis après, nous en parlerons à la sortie du cinéma. Et ça, je pense que l'être humain a encore envie de ça. Il a envie de sortir de chez lui et de partager des choses. Et ça, c'est très important. Je vous ai dit que le cinéma est en train de se faire. Netflix est en train de le cinéma. Il dit que c'est très important. Parce que c'est très important que les moments avec l'autre, les moments, 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 خوف وهذا الكل يعتبره مهم ويعتبر اللي هو متفائل. جان بيير جو ريفيان ا فو كيل اي لا كاليتي كو فو تروفي بلوس شي فوت فرير سي مون فرير سي تو سي بيان اون اون اي فرير سي بيان سا نون وي وي فوالا اي فو اي جو سوي سون فرير اي جو سوي سون فرير اتاندي اي دو ريبوندر دابور فوالا جو ديري بور ريفينير سور لو ديبي 1 بلس 1 2 ايتترا 1 بلس 1 ايغال 3 comme on dit aussi. C'est-à-dire, c'est oui, un œil plus un œil, deux yeux plus deux yeux, hein, mais c'est deux fois deux personnes. Donc voilà, deux égale une troisième personne qu'on parvient à être. Et je pense que si on fait un film seul, on ne fera pas le même film que si on le fait à deux. Donc je dirais, voilà, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. C'est une expérience exceptionnelle aussi. Oui, je crois. Enfin, en tous les cas, nous, on ne la vit pas comme exceptionnelle puisqu'on ne connaît pas autre chose. On ne peut pas comparer non plus en disant c'est exceptionnel par rapport à une autre expérience. On n'a jamais travaillé seul dans le cinéma. Vous êtes dedans, vous êtes tellement dedans. On est dedans, on est dans le bocal. سألت قلت له شنو هي اهم ميزه موجوده في خوك جان بيير قال لي الميزه الكبيره اللي موجوده عند خويا اللي هو خويا ويقول الاخر كيف كيف يقول انه احنا ما عرفناش نخدموا ما عرفناش التجربه نتاع انك تخدم فيلم وحدك احنا نخدموا مع بعضنا واحنا تلما معناتها موجودين في وسط الحكايه اللي ما نعرفوش شنو تنجم تعطي وقت واحد يخدم وحده هي تجربه فريده تجربه الحقيقه بداوها لي فرير لوميير فما مجموعه من التجارب تشبههم ولكنها تقعد تجربه نادره لي فرير داردين vous avez fait un master class vous avez parlé avec pas mal de personnes pas mal de jeunes qui aiment le cinéma. Maintenant, on va voir un VTR sur un masterclass d'un grand réalisateur égyptien qui s'appelle Yousri Nasrallah. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Je leur ai dit qu'ils ont fait un masterclass hier. Et hier, c'est aussi Yousri Nasrallah qui était invité dans cette nashra. Il a fait un masterclass. On va voir dans le VTR ce qui est important dans cette masterclass.
ماستر كلاس المبرمج في مهرجان منارات من أهم الفقرات الموجودة، وهذا لأنها تخلي السينمائيين والطلاب والسينيفيل قرب برشا من صناع السينما كما لي فخير داردان، الممثل المصري محمود حميدة، نيلي كريم وغيرهم. فكرة متاع الماستر كلاس هي ديما يعملوها في برشا مهرجانات، انهم يجيبوا عبد بروفيسيونيل اللي عنده كارير كبيرة في السينما سواء مخرج سواء ممثل، ويجيبوه باش ساعة جونغ اونتروتيان ولا هو باش يحكينا على الكارير نتاعو على حياته اتخافيغ العمل نتاعو. دونك سي بيان خاطر احنا هما قدوة بالنسبة لينا احنا ونزيدو نعرفهم أكثر. اليوم لما تسمع يسري وطريقته في العمل وطريقته في التعامل مع السيناريو ومع الفكرة ومع الخيال وما تفهم السر متاع نجاحه. هو يقول لك أنا نحلم نعمل حلمة نكتبها مش تولي سيناريو، ولكن نصور الحلمة متاعي مش السيناريو. احنا كنا حاضرين في اول ماستر كلاس مع المخرج المصري يسري نصر الله. يسري نصر الله اللي كان مساعد مخرج في بداياته مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمي وداعا بونابرت وحدوته مصريه، اخرج فيلمه الروائي الطويل الاول سرقات صيفيه سنه 1990 والثاني مرسيدس سنه 1993. انا سعيد جدا ان انا هنا، وسعيد ان الحضور الاساسي بتاع الماستر كلاس ده كان طلبه من يعني الناس عايزه تدرس سينما وعايزه تتكلم عن السينما، ودي فرصه كبيره جدا ان الواحد على اقله يطرح على 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 ناس بتحب السينما وعايزة تعمل سينما حاجة تخص. طب انت ايه علاقتك بالسينما؟ ايه اللي عايزه من السينما؟ ايه اللي بتعمله في السينما؟ يعني ايه سينما؟ برشا من عشاق السينما ومطلعين للغوص في تجربة يسري نصر الله كانوا حاضرين. الماستر كلاس كانت باللغتين الفرنسية والانجليزية. تعرفنا من خلال التجربة هذه على فكر هذا المخرج المختلف في بلاد كيما مصر قائمة صناعة السينما فيها الأغلب على السينما التجاري. زي ما قلتي هو مختلف مش بس عن السينما المصرية السائدة المينستريم، السينما التجارية المعروفة في حوالين العالم العربي، ولكن حتى هو مختلف عن السينما المغايرة في مصر. السينما اللي يعملها نصر نصر الله يعني كما قلت تبعد على السينما التجارية، خاطر هي سينما تعبيرية، تجم تقول حتى تعبير فردي، معناش يحس هو على الواقع متاع مصر. الواقع مهما كان الواقع مش حتى السياسي برك. مدارس عمري ما تبصرت بأي مدرسة، إنما أن في أفلام ومخرجين أنا بحبها ولما اتفرجت عليها خطبت وجداني ودخلت جوا قلبي والحاجات دي كلها، وبالتالي أثرت في شغلي. آه طبعا في كتار متهيألي، أما تقولي أنا تبع مدرسة كذا أنت أوريدي قفلتي على نفسك. هذه نوال السكنديجي في الفتير اللي شفنا فيه يوسف نصر الله، فريد بوغدير، ريم بن مسعود، روف بن عمر ومجموعه اخرى من الناس اللي تكلمت على الماستر كلاس. با اون اريف جوستمون على فام، مي افون دو فينير جي انفي كو فو نو ديت ان مو بور لي جون سورتو كي فول فرانشير سيت مير اي كي كرو كو لو ريف اي لي ايور اي ني با ايسي. كيس كو فو بوفي دير ا سي جون لوك؟ سي جو بو دير او جون كي فول franchir, voilà, la mer. Franchir la mer, les jeunes tunisiens et maghrébins qui veulent parfois franchir cette mer pour aller parce qu'ils croient que le rêve se trouve ailleurs et pas ici. Oui, oui. Oui. Et oui, ça c'est... En même temps, bon... Est-ce que le cinéma peut sauver? Voilà ma question. Ben, c'est-à-dire que... Bon, d'abord, quand je pense à la Méditerranée, je pense à tous les gens qui meurent et qui veulent fuir la guerre, par exemple, ou la famine, ou des conditions économiques difficiles, et qui essaient de traverser la Méditerranée pour venir vers l'Europe. Bon, et ces gens-là, je trouve que la capitaine du bateau allemand a été extraordinaire, en disant « je franchis les eaux et je vais jusqu'au port en Italie ». Ça, voilà, pour ces gens-là. Maintenant, quand on veut effectivement quitter un pays comme la Tunisie, parce qu'on rêve d'une Italie extraordinaire, bon, je pense qu'il faut respecter aussi ces rêves de gens qui quittent, parce qu'ils ne quittent pas comme ça pour rien. Il y a quelque chose chez eux aussi, ouais. Ils veulent quelque chose, ils désirent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Donc il faut quand même respecter ça, essayer de comprendre pourquoi ils rêvent de ça. Et maintenant, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on arrive en Italie que c'est le paradis. Hein. Ça, c'est loin de là, ou bien à Pantelleria. Ou, bon. Mais bon, je pense que bon, ce qu'on peut espérer, c'est que les gens dans un pays comme la Tunisie, et je ne veux pas vous faire la leçon, hein, parce que je ne suis pas tunisien, je suis belge, mais je pense qu'il faut se battre pour améliorer les conditions de vie, pour qu'il y ait plus d'égalité dans ce pays,
comme dans d'autres pays, chez nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment très ravie de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue en Tunisie encore une fois. تحدث أخيرا على الحلم أن حلم الكثير من الشباب أنهم يسافروا أنهم يخرجوا ويقول أنه يجب نحترم الحلم متاعهم ونعرفوا علاش يحبوا يسافروا ولكن في نفس الوقت الجنة لا توجد خلف هذا البحر. هكا نوصل إلى نهاية هذا الموعد من النشرة الثالثة لمهرجان السينما المتوسطية. شكرا لكم. تحيا السينما على التلفزة الوطنية. سلامة.